le taxi du candidat du président Antonio Soares. Pour moi, c'est un manque de respect à ma propre personne pour ceux qui me connaissent. Mais ceux qui ne me connaissent pas, je ne les en veux pas, c'est normal. Ma proximité n'a rien avec le président Antonio, n'a rien à voir avec mon ami dédié notre football en tant que président. Je vais faire rappel, en 2015, j'étais déjà candidat à la présidence de la FEDIFO, si vous vous souvenez. Le président Antonio était en ce moment le président de la Ligue et il a supporté le candidat de notre candidat à l'époque qui s'appelait Salif Kamara. Quand je dis Salif Kamara, la mère de Béla. Et cela ne m'a pas empêché de continuer à suivre mon chemin jusqu'à ce qu'on a réclamé ma candidature. Donc au jour d'aujourd'hui, ces raccourcis-là, moi je ne fais pas attention à ça. C'est pas, je suis un homme responsable, indépendant, et surtout, personne ne pourra m'influencer par rapport à ses avoirs, par rapport à je ne sais pas quoi. Seule ma conviction m'amènera à choisir le chemin qui est dédié à notre football. Je ne suis pas le candidat de M. Soares. La preuve, vous avez suivi dans une de ses sorties, apparemment, il a dit le nom de celui qu'il supportait. Cela ne me fait ni chaud ni froid. Moi, je suis candidat et je reste. Je ne suis pas toujours le candidat de quelqu'un d'autre. Ni de M. Soares,